J'ai participé à fonder un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte, dans lequel on est une série d'acteurs. On essaye d'agir pour quoi ? Pour transformer la démocratie, pour engager une forme de transition démocratique. Dans ce collectif Démocratie Ouverte, on a décidé d'engager une forme de transition démocratique, que ça soit locale, que ça soit régionale, nationale ou globale. C'est une démocratie qui est plus transparente, où le citoyen peut savoir plus tout ce qui va se passer et donc pouvoir se connecter à ce qui se passe, plus participative, c'est-à-dire que le citoyen il est plus acteur de ce qui se passe, de la prise de décision, donc je vais pouvoir venir donner mon avis et que cet avis, je suis sûr qu'il va être pris en compte de telle ou telle manière, et plus collaborative, c'est-à-dire qu'on est plus dans une logique de faire ensemble, de réseau, de connexion horizontale, que dans une logique telle qu'elle existe aujourd'hui, de verticalité, de pyramide, de décision et de logique de délégation et de représentation. C'est ça, plus de transparence, de participation et de collaboratif. On essaye de pousser à ce que ça s'accélère, que ça aille de plus en plus vite vers de plus en plus et de mieux en mieux de démocratie. C'est ça l'ambition de Démocratie Ouverte et le projet politique de Démocratie Ouverte. Quand on se met en recherche, quand on se met à rencontrer les acteurs de la transition qui essayent des choses, on se rend compte qu'il y a d'une part une énergie folle, que dès qu'on est dans une logique d'action, on passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein, on passe de gens qui voient les choses de manière négative à des gens qui voient les choses de manière positive et qui communiquent ce positif. La plateforme Parlement et Citoyen pour co-construire des propositions de loi, c'était pas forcément gagné d'avance, et ça marche, et il y a des lois qui sont passées avec cette logique de co-construction, et ça on est super content de ça, et maintenant on généralise la plateforme Parlement et Citoyen à tous les députés et sénateurs qui voudraient mobiliser l'intelligence citoyenne et l'intelligence collective pour faire leurs propositions de loi de manière d'une part plus transparente mais aussi plus collaborative avec l'implication du citoyen. Et pareil pour beaucoup d'autres porteurs de projets dans Démocratie Ouverte, c'est le fait de se nourrir des expériences qu'on réussit dans le collectif et de pouvoir voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ça permet aussi d'être plus efficace et donc le fait de se relier, de se regrouper, on est plus fort ensemble dans Démocratie Ouverte que si on faisait chacun notre initiative de notre côté. Et ça c'est aussi quelque chose qui fait partie du succès de Démocratie Ouverte. C'est beaucoup de porteurs de projets qui, notamment avec le numérique, essayent de proposer des solutions pour faire différemment la démocratie. Donc expérimentent, ils sont les mains dans le cambouis, ou dans le code en tout cas, d'essayer de proposer, que ce soit aux citoyens ou parfois aux institutions, aux élus, des outils différents pour faire de la démocratie différemment. C'est ça les acteurs de Démocratie Ouverte, beaucoup. Donc on essaye de faire un lien entre ces porteurs de projets, les institutions, les politiques qui à l'intérieur du système comprennent, font le même constat, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense, à faire le constat que ça dysfonctionne et à essayer d'aller vers des nouvelles formes de gouvernance. Parfois certains sont timides, parfois certains sont de mauvaise volonté clairement. Il y en a aussi qui essayent d'aller assez loin et c'est avec eux qu'on essaye de travailler pour expérimenter les outils que nos innovateurs démocratiques du réseau sont en train de développer. On a aussi dans le collectif autant de l'associatif que de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à faire ça avec des structures plus tournées vers le bien commun, d'autres qui essayent qui ont une logique de gagner de l'argent avec et on n'est pas forcément contre, tant que l'objectif c'est d'améliorer la manière dont la démocratie fonctionne. Plutôt que de me lamenter ou de dire c'est horrible, je veux pas vivre dans un monde comme ça, j'ai décidé de me dire il y a sûrement des solutions qui peuvent être trouvées, il y a sûrement des choses qui peuvent se faire, et donc c'est ça qui me pousse à agir. En fait, ce qui vibre en moi, c'est de voir que je me connecte aux autres et que cette envie que je peux avoir au fond de moi, je ne suis pas du tout le seul à l'avoir. Il y a énormément de gens qui l'ont. Et ce qui vibre, c'est aussi de m'apercevoir que je ne suis pas le seul à agir, qu'on est finalement, à mon avis, une majorité silencieuse à agir. Alors certains, ça va être des micro-bouts de solutions qu'ils ont dans leur quotidien. D'autres vont agir de manière bien plus impactante et bien plus engagée. Mais ce qui...
ce qui me touche au fond, c'est ces gens qui sont prêts à prendre des risques pour changer des choses dans leur propre vie, pour derrière enclencher un changement plus important autour d'eux et dans la société en général. J'abandonnerai pour rien au monde, quoi. Je suis super heureux, même si c'est pas tout le temps facile, ni économiquement, ni en termes de stabilité, de savoir ce que va être ma vie après-demain. Mais en même temps, il y a une telle puissance, une telle énergie qui nous porte quand on est des acteurs, que c'est assez génial à vivre. Donc voilà ce qui me motive, c'est participer à cette nouvelle société qu'il faut qu'on construise ensemble, qu'il faut qu'on dessine ensemble, et en être un des acteurs parmi beaucoup d'autres que vous interviewez. Aujourd'hui, je considère qu'on est au Moyen-Âge de la démocratie, c'est-à-dire qu'on est juste avant la Renaissance, on est peut-être au début de la Renaissance. Il y a énormément d'idées et de moyens de faire évoluer cette démocratie pour aller vers un pouvoir d'agir du citoyen plus grand. On sent bien qu'on est dans une période de l'histoire où le modèle de société dans lequel on est, ça marche plus tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça dysfonctionne, et on a en face de nous des enjeux gigantesques du réchauffement climatique, ou en tout cas de la non-maîtrise de notre environnement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de gérer de manière durable notre environnement, et on sent que notre modèle de société, il va droit dans le mur. Et ça, de plus en plus de gens le sentent. C'est d'une part d'oser y aller, quoi, de se lancer, parce que moi je suis designer de formation, et dans la culture du design, il y a le fait de prototyper, de faire de l'essai-erreur, de bricoler, d'essayer, donc de partir sur le terrain, les pieds dans la glaise, quoi, pour essayer les choses. Et donc, rentrer en empathie avec les gens, aller au contact de l'usager, du citoyen, ça permet de donner une énergie folle et de comprendre comment fonctionne l'écosystème. Un des conseils, c'est d'aller sur le terrain et de ne pas hésiter à se lancer dans les projets, à prototyper des choses, à essayer et à rentrer dans une logique d'amélioration continue. Perfect night to break.